Coucou tout le monde, c'est Auris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance intemporelle à 5 choix pour voir ensemble quel bon karma arrive pour vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, donc on va voir ensemble tout de suite qu'est-ce que vos guides aimeraient vous révéler par rapport aux bonnes actions que vous avez fait récemment. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat pour vous? Quel est votre bon karma? Voilà, donc je vous laisse faire vos ou votre choix au tout début de la vidéo et cliquez sur le ou les marqueurs associés. Et je vous rappelle que tous les oracles utilisés ainsi que les tarots sont listés juste en dessous également et que les liens mènent vers la version en français si elle existe. À tout de suite! Bonjour, groupe numéro 1. Alors c'est parti pour voir... Quel bon karma arrive pour vous? Vous avez choisi le chat de fortune. Donc le bon karma arrive parce que vous avez fait des choses qui étaient dans le sens de votre évolution personnelle, du plus grand bien de tous. En gros, vous avez fait du bien, donc il y a du bien qui vous retourne. Alors qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être pour vous? Ouh! Alors c'est clair déjà pour vous pour commencer. On a une temporalité et on a une action. Et une dernière carte, merci. Alors, donc nous avons le mois d'octobre et l'échelle, vous grimpez vers le succès. Donc le mois d'octobre va être décisif pour vous. Si vous regardez ce message, quand j'ai tourné la guidance, on est en juin. Donc si octobre arrive, en tout cas en octobre, il se passe quelque chose. Ou alors c'est peut-être, si octobre est déjà passé, une temporalité en 10. Donc 10 jours, 10 semaines, 10 mois. Ou peut-être 10, ouais non, peut-être pas 10 ans, ça fait un petit peu long, ou peut-être octobre prochain. Voilà, bon karma, je pense que vous avez tout fait en fait pour gravir les échelons de manière réglo, et du coup là le karma il va vous propulser vers le succès de manière assez incroyable, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir plus de clients, peut-être que vous allez avoir une proposition d'un poste à plus haute responsabilité, peut-être une augmentation, une promotion, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais de toute façon vous grimpez vers le succès par rapport à quelque chose. C'est pas forcément le travail, hein, ça peut être enfin réussir quelque chose dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. Hein. Et on a la vallée, deep personal strength and peace, une profonde paix et une profonde force personnelle qui assure le succès. Donc encore une fois, deux fois le succès. Hein. Donc je sais pas si c'est au niveau du travail ou quoi, vous verrez, hein, parce que vous êtes différents, vous êtes tous nombreux. Donc ce que vous avez en tête là tout de suite maintenant, vous allez réussir. Hop, et hop, alors on a en dessous du paquet le coq, une personne arrogante que vous ne devriez pas croiser. Donc en plus de ça, on vous dit que vous allez atteindre du succès et vous allez vous éloigner, vous allez vous élever de situations où il y a des personnes qui sont arrogantes, qui sont pompeuses et qui peut-être vous fatiguent énergétiquement. Donc ça c'est le bon karma, et je pense même que ce bon karma il vous éloigne de personnes comme ça parce que vous n'avez pas cédé à des énergies de fréquence basse avec ces personnes. Vous n'avez pas cédé à la vengeance, à toutes ces choses. Peut-être que c'est des personnes qui vous empêchaient d'atteindre le succès ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, vous vous éloignez de ces personnes-là et regardez encore une fois. La route de montagne, vous êtes sur la route du succès. Succès 3 fois, groupe 1. Donc vous avez choisi le chat de fortune, j'ai envie de dire, vous avez choisi un groupe assez incroyable. Donc... ouais, grand succès pour vous. Et octobre, soit c'est octobre qui va être, comment dire, le mois d'un grand succès, soit ça va être une étape hyper capitale pour ce succès. Mais c'est clair qu'en automne, il se passe quelque chose pour vous, ou en une temporalité en 10, comme on l'a vu. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quoique, j'ai envie de dire, ça suffit là, mais on peut peut-être avoir plus de précision. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 1. Alors, nous avons 2 cartes. Alors, on a la diminution et le temple sacré. Oh. Ah, peut-être que là, on vous dit que vous êtes en train de passer par une phase où les choses ralentissent un petit peu, ou peut-être vous avez l'impression de dépenser plus d'énergie que vous n'en gagnez, ou de dépenser plus d'argent que vous n'en gagnez, ou plus de temps, etc. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter si c'est le cas en ce moment, parce que c'est juste pour que vous puissiez vous reposer vous régénérer, vous ressourcer, parce que là, vous allez avoir besoin de votre énergie très bientôt pour grimper vers ce succès. Hein. Et on voit aussi que cette profonde paix et force personnelle qui vous assure le succès, c'est vraiment cette sagesse et cette maturité d'y aller doucement et d'accepter les moments de votre cycle énergétique où vous descendez un petit peu en vous-même, où vous faites une introspection, où vous intégrez ce que vous avez appris récemment. Donc ça fait vraiment partie du processus, c'est à respecter, c'est à honorer, et c'est ce qui va vous valoir un succès qui va vous emmener très haut déjà d'une et qui va durer, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce karma positif? Waouh! Alors, on a... Oh là là, mais regardez-moi ça! On a l'as de denier. L'as de denier qui nous parle d'opportunités en or, qui nous parle de peut-être promotion, d'argent, de gains, qui nous parle aussi de quelque chose qui est guidé, d'un cadeau de l'univers. On vous dit aussi avec cet as de denier que vous avez de l'or entre les mains. Ok ? Donc c'est clair et net que si c'est pas octobre, ça sera dans une temporalité en 10 comme on l'a vu. Mais dans tous les cas, on vous dit que le bon karma, il vous amène des opportunités, il vous amène le succès. Et regardez, vous avez la totale. Vous avez la 2 de coupe, des relations d'âme-sœur. Donc âme-sœur, c'est pas forcément romantique, mais ça peut l'être. Et le chariot qui nous parle encore une fois de succès, de réussite, de choses qui s'accélèrent. Donc moi je pense que le bon karma, ça va être aussi que les choses s'accélèrent après un temps de pause, un temps de régénération. Et vous avez récupéré vos forces. Et regardez-moi ça. On a le karma en personne avec la justice qui vous dit que vous êtes équilibré, que votre karma il est juste là, que vous n'avez pas vraiment de dette si vous voulez. C'est pour ça que vous avez la totale, la groupe 1. Écoutez, vous avez choisi, je sais pas, j'ai pas encore fait les autres groupes, mais à mon sens, je sais pas comment on peut faire plus positif que ça. On verra bien les autres groupes, mais c'est, ouais, vous avez choisi le bon groupe là. C'est clair et net. Allez, et on va terminer avec un dernier petit message. Ah bah non, on va pas prendre celui-là. On va prendre la prophétie des étoiles. Parce que le karma, les étoiles, tout ça, tout ça. Allez, qu'est-ce que les étoiles veulent vous dire par rapport à ce bon karma là qui arrive pour vous? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une annonce? Alors, endosse tes responsabilités. Wouh! La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix. Et je vous ai parlé de maturité, hein. Vous choisissez le chemin le plus mature, le plus sage. C'est pour ça que vous allez tout avoir. Peut-être pas tout d'un coup, mais vous allez tout avoir, groupe 1. Donc, la pleine maturité consiste à savoir assumer ses choix, voir tes erreurs. Tes choix, voir tes erreurs. Et en haut de ces... Attendez, excusez-moi, je recommence. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences, karma, et que ces conséquences, karma, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Ouh. Ouais, c'est ça. Je vous disais tout à l'heure que je pense que vous n'avez plus de dette karmique. Je pense simplement que le seul karma encore que vous pourriez avoir à nettoyer, c'est votre propre culpabilité peut-être, le propre pardon que vous pouvez vous offrir. Mais voilà, il n'y a plus rien qui vous empêche d'avoir tout ça, si ce n'est justement de continuer à y croire, de continuer à accepter vos cycles et de laisser votre vie se dérouler en fonction justement de votre rythme intérieur, hein, c'est ça. J'adore. Voilà, donc avec les responsabilités, on vous dit aussi que vous montez vers le succès, donc il peut y avoir une énergie de leadership aussi qui vous attend là. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1, pour votre bon karma qui arrive. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour, groupe 2. Alors c'est parti pour voir ensemble quel bon karma arrive pour vous. Donc s'il y a un bon karma qui arrive pour vous, c'est que vous avez fait des choses qui étaient dans le sens du bon, du bien, pour le plus grand bien de tous. Donc c'est qu'un juste retour des choses qui vous arrive. Donc on va voir plus précisément de quoi il s'agit. Ouh! Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, oh, j'adore. Alors, on a la grande passion avec la tulipe et on a une carte verte que j'adore avec le succès. Le succès qui était très présent aussi dans le groupe 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a la couronne, honneur et respect viendront à vous. J'ai un message très très fort, très très puissant qui arrive déjà pour certains d'entre vous. Et on a le mois de septembre. C'est marrant, le groupe 1 avait le mois d'octobre. Bon, il y a peut-être un lien entre les deux. Mais voilà, si vous n'avez pas été attiré, prenez pas ce message en compte, bien évidemment. Donc, avec la grande passion et le succès, déjà, premier message qui me vient, c'est que pour beaucoup d'entre vous qui veulent vivre de leur passion, qui veulent... remplir leur mission de vie ou peut-être vivre une grande passion amoureuse aussi, c'est possible, hein. On vous dit que c'est le karma positif qui arrive pour vous. Et moi, j'ai vraiment cette idée de pouvoir vivre de sa créativité, vivre de vos propres compétences, générer votre propre argent. Après, vous n'êtes pas obligé de gagner des milliers et des cents, hein. Tant que vous êtes heureux et que vous avez le train de vie qui vous convient, vous pouvez très bien vous satisfaire d'une certaine somme et puis c'est tout, hein. Donc, avec l'honneur et le respect qui viendront à vous, et la grande passion et le succès surtout, j'ai vraiment cette sensation que votre art, il va être connu par le grand public. Peut-être une de vos créations en particulier, ou peut-être que c'est votre style entier qui va plaire, peut-être que vous allez enseigner comment faire, parce qu'on a quand même la couronne, donc moi j'ai cette idée de position de pouvoir, de responsabilité, de peut-être enseignant ou dirigeant, donc c'est possible que vous ayez ce genre de posture par rapport à cette passion et que votre passion vous la transformiez justement en apprentissage, en formation et que vous la transmettiez à un certain niveau. Alors, en septembre, ça peut être la rentrée. Peut-être que vous entrez en formation en septembre et on vous dit que ça va très bien se passer, que vous allez être passionné. Et c'est votre bon karma, en fait, dans le sens où vous allez enfin pouvoir profiter d'un enseignement qui va vous emmener loin. Vous allez kiffer, suivre une formation en particulier ou un cours ou une personne que vous admirez. Mais voilà, le message principal pour tout le monde là, pour tous les gens du groupe 2, c'est que vous allez réussir à vivre de ce qui fait vibrer votre cœur. Peu importe le chemin où vous en êtes. Et le mois de septembre, ça va être un mois clé par rapport à ça. Peut-être que vous allez vous lancer, peut-être que va y avoir un événement ou quelque chose qui va se produire, qui va vous permettre de... par exemple, vous allez peut-être avoir un atelier et du coup, vous allez pouvoir vous adonner à votre art. Exemple, hein, bien sûr, hein, on n'est pas tous des artistes ou des créatifs, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. Tout ce qui vous passionne, en fait. Ça va avoir une espèce de fenêtre d'ouverture, en fait, pour que vous passiez à l'action en septembre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se restreindre à ce mois-ci, on est d'accord, mais en septembre, il y a une grande énergie par rapport à tout ça, ok? C'est peut-être qu'en septembre aussi, pour certains, avec la couronne et le succès, vous allez peut-être avoir un diplôme ou obtenir... une lettre d'une école dans laquelle vous vouliez entrer mais vous n'étiez pas du tout sûr. Il y a peut-être une acceptation, un diplôme, un contrat de quelque sorte que ce soit en septembre. C'est peut-être aussi qu'on va vous proposer un poste à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire et qui va vous passionner et du coup on va vous respecter pour vos compétences et vos connaissances et vos talents. C'est magnifique! J'adore. Et on vous dit aussi avec honneur et respect là que on va reconnaître aussi votre talent, on va reconnaître vos aptitudes et ça va vraiment vous faire du bien. Vous n'allez plus être invisible, c'est ce qu'on veut vous dire groupe 2. Si vous vous sentez invisible, on vous dit que ça va plus être le cas, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, allez, c'est bon, on les prend. Waouh! Happy Success! Donc, on a le succès joyeux. Donc, on a le succès 2 fois. Et c'est intéressant parce que le groupe 1 avait le succès 3 fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a énergie coincée. Stock énergie, c'est ouais, énergie stagnation un peu. Et on a l'étape milestone, c'est quand on franchit, vous savez, milestone, c'est les pierres au bord de la route et on voit qu'on a franchi tel kilométrage, tant de kilomètres plutôt, je vais y arriver. Donc, alors j'ai vraiment cette énergie en fait, il y a un cycle là, il y a une histoire. Donc je pense que vous allez atteindre une certaine forme de succès, ça c'est sûr et certain, mais ça va pas être la fin de l'histoire. Peut-être qu'il y aura un moment un peu de stagnation, de succès, ce sera peut-être bien ou mal vécu, ça dépend des personnes, ça dépend de comment vous abordez votre vie et comment vous vous connaissez, hein, bien évidemment, mais je pense que c'est plutôt un temps de pause où vous attendez, où vous développez ce succès, où vous développez vos compétences, et ensuite vous allez atteindre une autre étape de votre succès, donc je pense que c'est un succès en plusieurs étapes là, dont on parle dans ce bon karma. Non seulement vous allez vers le succès, mais en plus, ça sera en plusieurs étapes. Vous allez avoir plusieurs célébrations. Et tout à l'heure, je vous parlais de diplôme ou de quelque chose comme ça, d'acceptation, de réussite. Et on a un trophée ici qui brille. Donc pour certains, peut-être que le bon karma, c'est que vous allez enfin réussir à gagner cette compétition ou à gagner peut-être ce concours. Ça peut être un concours pour rentrer dans une école, ça peut être un concours du meilleur dessinateur ou du meilleur organisateur de mariage, j'en sais rien, mais il y a vraiment cette idée d'arriver enfin à gagner quelque chose. Vous allez gagner quelque chose. C'est génial, j'adore. J'adore comme les énergies, en fonction des thèmes que j'aborde, changent complètement les cartes, en fait. C'est un truc de fou. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, le mois de septembre, moi, je le vois plutôt comme une étape très importante pour vous. Peut-être un départ pré-parté, le départ d'une course, départ d'un marathon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Groupe 2. Une, deux. Ouais, voilà, on a encore cette idée de transformation, hein. C'est dans quoi déjà? C'est dans quel film qui dit la mort n'est que le commencement? Ah, c'est dans quel film? Ah, je sais plus. Ah non, je bloque. Vous savez, cette sensation désagréable quand on a une chanson dans la tête et qu'on trouve pas le titre. Ah, je sais plus. Bon, si jamais vous avez la ref, c'est la mort n'est que le commencement. Ouais, bref. Alors, on a la grande prêtresse. On a la mort, donc, le roi d'épée et la 3 de coupe. Ouais, encore une fois, je vois une histoire, là. Hein. Je vois une histoire. C'est que, moi, je pense que vous faites vraiment preuve de sagesse, d'intelligence. Vous agissez quand c'est le bon moment. Vous êtes méthodique, stratégique par rapport à ce que vous voulez accomplir et c'est super. Et vous allez vraiment passer à la phase plus charnière, c'est-à-dire où vous passez à l'action, où vous agissez. Moi, je vois vraiment que ce bon karma, ça va vous sortir peut-être d'une phase de préparation, d'une phase d'apprentissage, parce qu'avec la grande prêtresse, on a cette notion d'apprentissage aussi. Et vous allez enfin pouvoir goûter aux résultats de vos efforts. C'est comme, par exemple, un étudiant... je sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire? Un étudiant de manière générale qui étudie la théorie pendant 5 ans. 5 ans, c'est long. 5 ans, c'est très long. Et du coup, à sa 6e année, il va enfin pouvoir aller sur le terrain, enfin travailler. Et j'ai cette énergie, en fait, pour vous. C'est pas forcément ce qui va vous arriver texto, mais c'est cette énergie de enfin quelque chose qui va se débloquer, qui va vous permettre de montrer de quoi vous êtes capable, qui va vous permettre de montrer vos talents, de vous exprimer créativement ou verbalement ou autre. Et avec la 3 de coupe, encore une fois, on a cette idée de célébration. Hein. Beaucoup de personnes vont se rassembler pour, pour reconnaître le travail que vous avez fait. Hein. Et en dessous du paquet, on a la 5 de coupe, la 5 de denier, pardon, qui nous parle justement de pauvreté, de manque. Donc vous sortez de tout ça, c'est vraiment super. Hein. Et on termine avec un dernier petit message. Ah, je trouve pas la... L'origine de cette citation, ça me rend chèvre. J'espère que je la trouverai parce que c'est quelque chose, ça m'obsède après. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Qu'est-ce que les étoiles aimeraient vous dire? Les étoiles qui voient tout, qui savent tout. Allez. Où est ta maison? Dans quel endroit te sens-tu chez toi? C'est-à-dire relié par la terre, nourri par les racines que tu as plantées, inspiré par le panorama qui t'entoure en connivence avec l'environnement. Ce refuge, nous t'invitons à le trouver si tu ne l'as pas encore ou à t'y rendre au moins par la pensée si tu le connais déjà. Tu as besoin d'un cocon protecteur où poser ton cœur et tes valises. Rejoins donc la maison où ton être peut se sentir en douceur et en sécurité. Ouais, je pense que... là, on vous dit toutes les belles choses qui vont arriver pour vous, c'est clair. Et peut-être que là, vous êtes à milieu, vous dites, mais c'est bien beau tout ça, mais je vois pas à quel niveau ça vient connecter avec ma réalité actuelle, quoi. Et peut-être que votre réalité actuelle, c'est cette carte qui est en plein milieu du tirage, c'est que vous vous sentez coincé. Et c'est peut-être parce que, pour l'instant, vous n'êtes pas coincé vraiment, vous êtes invité à vous ressourcer. Vous êtes invité à équilibrer vos énergies intérieures, à peut-être parfaire un apprentissage avant de pouvoir aller dans le monde et avoir ce succès. Mais on vous dit que de toute façon, ce succès, il arrive pour vous. C'est votre bon karma. Vous allez réussir. Votre succès, il sera à la hauteur des difficultés que vous avez traversées et que vous avez dépassées. Okay ? C'est la fin d'un cycle très fatigant pour vous. La mort n'est que le commencement. C'est pas pour rien que j'ai eu cette citation. C'est que vous allez pouvoir recommencer une nouvelle vie dans votre nouvelle vibration, dans votre nouvelle réalité, avec votre nouveau mindset, votre nouvelle façon de voir les choses. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 3. Alors c'est parti pour voir ensemble quel bon karma arrive pour vous. Donc vous avez des choses qui étaient positives, bénéfiques pour vous et pour les autres. Et donc ça vous amène des résultats qui vous sont dus quelque part, hein, un karma positif. Donc on va voir un peu plus en détail de quoi il s'agit. Quel bon karma arrive pour vous? Quel bon karma vous avez activé? Oh! Ouh! J'adore! L'univers, il va vous guider vers une opportunité qui va tout changer pour vous. On a la bougie, on vous montrera le chemin et la porte des opportunités vous attendent. Donc... je pense que pour certains, là, vous tâtonnez un petit peu dans le noir, vous êtes un peu perdu, vous manquez peut-être un peu de direction et on vous dit que vous allez avoir l'univers qui va vous donner des signes, peut-être des personnes qui l'utilisera avec bienveillance, bien évidemment, pour vous guider vers certaines étapes. Et on vous dit aussi que c'est une opportunité là qui arrive pour vous, même plusieurs, parce que moi, je pense à une opportunité, mais il ne va pas y en avoir qu'une, qui vont vraiment changer votre vie, qui vont vous faire vous sentir comme si vous êtes aimé, comme si on vous protégeait, comme si on veillait sur vous là-haut en fait. Vous allez vraiment vous sentir aimé par l'univers, vous allez sentir que bah, la chance vous sourit, clairement c'est ça, hein, le bon karma c'est ça finalement. Et du coup, vous n'allez plus du tout vous sentir perdu par rapport à quelque chose en particulier. Mais là, je vois vraiment plusieurs opportunités, donc ça peut vraiment correspondre à plein de domaines de votre vie différents. Ouais, voilà, je vous l'ai dit, en dessous du paquet, on a le kangourou, des temps incertains, besoin de planifier. Donc, j'ai vraiment cette sensation pour beaucoup d'entre vous que vous êtes un petit peu en train de pédaler dans la semoule, que vous savez pas trop dans quelle direction aller, probablement. Et là, on vous dit que vous allez avoir des opportunités qui vont vous aider à choisir. Alors, et qu'est-ce qu'on a? On a la victoire, victoire dans certaines aventures, ok? Donc c'est clair et net, vous allez réussir à sortir d'une certaine forme de, j'allais dire de myopie. Peut-être que pour certains, vous allez vous faire opérer des yeux ou vous allez avoir des nouvelles lentilles ou des lunettes. Mais je pensais à la taupe en fait, qui creuse là et qui est aveugle, qui se fie juste à ses vibrations avec ses moustaches. J'ai vraiment cette sensation d'une taupe qui a des yeux en fait, qui peut enfin voir et qui n'est pas obligée d'aller à tâtons. Donc bref... je repense à quand j'ai peint mon bureau avec une copine, on avait toutes les deux des lunettes et mon copain il est rentré dans la chambre, enfin dans le bureau et il a dit oh, « bah, c'est beau, deux taupes qui font la peinture !» Bref, C'est pas grave. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'était vraiment pour vous donner en fait la métaphore de ne pas voir pour l'instant quelque chose, d'être vraiment à tâtons dans une situation en particulier, mais d'arriver bientôt à voir parce que vous allez avoir une opportunité qui va être limpide pour vous, qui va être claire. La direction à prendre, elle va être claire une fois que vous aurez cette opportunité. Je vais vous donner mon exemple très rapidement. Pour ceux qui le savaient, qui le savent peut-être, j'étais sur Etsy, je vendais mes consultations sur Etsy et les produits que je vendais aussi. Et finalement, je me disais, bon, Etsy, ils prennent quand même une marge assez importante sur mes ventes et ça commence à bien faire. Merci à eux pour tout ce qu'ils m'ont prodigué, mais là, j'en ai un peu marre. Et j'arrivais pas à me décider, est-ce que je crée mon site internet, est-ce que je quitte Etsy? Et j'en parlais avec un proche. Et l'autre jour, ben, Etsy a bloqué mon compte de paiement parce que je respectais pas certaines règles. Bon, c'est vraiment de la paperasse, hein. Mais voilà, du coup, ils m'ont bloqué pendant 90 jours sans rien me dire. Et du coup, ma première réaction, c'était « Oh là là, mais mince, ça se fait pas, ils sont pas cool et tout ». Et finalement, je me suis dit « Mais en fait, c'est exactement ce que j'attendais, je voulais une réponse ». Et je savais pas si je restais chez eux ou si je créais mon site. Ben maintenant je l'ai la réponse. Donc avec cette opportunité, bon, qui n'était pas forcément hyper bien reçue dès le départ parce que ça m'a vexée. Je vous avoue, j'étais vexée, groupe 3 pardon. Et du coup, finalement, c'était une opportunité qui m'a permis de prendre une décision. Donc, les opportunités que les guides, que l'univers nous envoie, c'est pas forcément toujours très subtil. Des fois, ça peut vraiment nous vexer, ça peut nous frustrer, et après, on se dit, mais attends. J'avais demandé pour de la guidance, j'avais demandé une direction, donc finalement si ça m'est refusé, ou si ça s'est bloqué, ou si ça d'un seul coup ça se propose à moi, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pour mon plus grand bien. Donc voilà, il n'est pas obligé de vous arriver un couac comme moi il m'est arrivé avec Etsy, il peut tout simplement vous arriver une opportunité du style on vous propose quelque chose, ou alors vous tombez vraiment au pif sur une affiche qui cherche exactement le genre de personne que vous êtes, ou quelque chose comme ça. Et ça va vraiment vous permettre de voir clair, de prendre une décision, de prendre une direction et de pouvoir orienter certains plans pour que vous puissiez avancer. Voilà. Donc ceci étant dit, on avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ce bon karma là qui arrive le mercredi? Elle est tombée par terre. Alors nous avons... Ouh! Alors Kindred Partnership, Kindred ça veut dire que les esprits sont en osmose, sont sur la même longueur d'onde, donc on a des partenariats qui sont sur la même vibration, qui sont en parfaite harmonie, donc ça c'est super déjà, j'aimerais en tirer une autre parce que tous les groupes en ont eu au moins deux. Donc on vous dit aussi que le bon karma, ça va être des personnes qui vous aident justement peut-être à y voir plus clair. Ça peut être des intérêts romantiques, enfin un intérêt romantique plutôt, sauf si vous êtes polygame, on fait ce que vous voulez. Ça peut être aussi des intérêts platoniques, hein, ça peut être des amis, ça peut être des partenaires professionnels. Mais voilà, on vous dit aussi que le bon karma va vous amener des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir peut-être construire des choses, peut-être vous révéler aussi tel que vous êtes, regarder les choses avec plus de recul. Et on a intention playing it safe, c'est à dire qu'on préfère rester prudent, on préfère la jouer prudent en fait. Donc c'est intéressant parce que là cette personne elle préfère éviter d'aller célébrer avec les autres parce que peut-être qu'elle a peur des loups, peut-être qu'elle a peur de se fouler de cheville ou je ne sais quoi, elle préfère rester en sécurité. Donc mais il y a vraiment cette idée quand même de se priver de quelque chose. Donc je pense que le bon karma aussi, c'est que vous êtes privé de quelque chose et que cette chose, elle va vous être accordée. Ouais, c'est ça en fait. Il y a un déblocage par rapport à quelque chose que vous êtes privé. Et ça peut être aussi par exemple, si vous avez choisi de vous réserver pour la bonne personne, romantiquement parlant, de refuser toutes les propositions qui avaient l'air hyper reluisantes mais vous savez que ça allait vous mener nulle part. Peut-être que vous vous sentiez seul, peut-être dans l'obscurité, peut-être que vous avez même douté que c'était pas la bonne décision à prendre, que vous auriez pu être plus décontracté ou je ne sais quoi, plus un petit peu spontané, mais finalement on vous dit que Si vous vous êtes réservé pour la bonne personne, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être que vous avez gagné du temps. Peut-être que vous avez évité un karma négatif avec des personnes aussi. Et on vous dit que si vous êtes privé justement d'aller avec le premier venu, par exemple, on vous dit que vous allez être, comment dire, béni avec une magnifique relation, peut-être un peu plus rapidement, parce que vous n'avez pas cédé à des propositions qui ne reflétaient pas ce que vous voulez vraiment, par exemple. Et waouh, regardez en dessous du paquet, on a le véritable amour, l'amour véritable, j'adore. Donc ouais, encore une fois, moi je pense vraiment que ça représente les opportunités, ça peut représenter aussi les opportunités qui attendent. Ça peut être plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes ou plusieurs personnes qui aimeraient vous embaucher, mais c'est pas encore vraiment le boulot que vous voulez. Et du coup... le bon karma, il tourne pour vous parce que vous n'avez pas cédé à moins que ce que vous voulez vraiment. Même si vous étiez à tâtons, même si vous vous êtes remis en question pour pas être assez cool ou pour pas être assez reconnaissant de ce qu'on vous propose, si c'est pas ok pour vous, si c'est pas aligné, vous avez le droit de refuser. Et souvent, quand on refuse ce qui est pas aligné, on arrive à ce qui est aligné pour nous beaucoup plus rapidement. Et là, on a l'amour sincère, hein. Donc pour certains, là, le bon karma, c'est une belle relation d'amour sincère, pure et authentique qui arrive pour vous. Ça peut être aussi tout simplement que vous vous aimez assez pour pas accepter n'importe quoi. Et du coup, vous allez avoir des opportunités qui reflètent vraiment cet amour, qui seront bonnes pour vous. Ouais, j'adore. En fait, on vous dit aussi que votre prudence va payer, le groupe 3. C'est une chose d'être prudent et c'en est une autre d'être parano, on est d'accord. Hein. Là, on parle de prudence mesurée, avec du discernement. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Alors, waouh, c'est incroyable, j'adore comme ça. Ça crie de vérité, regardez ça. On a la 5 d'épée avec visiblement une personne qui est déçue et une personne qui... Il n'y a pas de gagnant parce que là, la personne qui a gagné, en fait, elle est fière d'avoir blessé l'autre et l'autre, elle est triste d'avoir été blessée. Donc finalement, dans le jeu de l'univers et de l'amour, on perd là. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation d'avoir, peut-être d'être fière, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais peut-être fière d'avoir repoussé quelqu'un qui vous aurait fait du mal si vous aviez trop été avec cette personne, trop longtemps. Peut-être d'avoir tout simplement refusé une proposition qui vous aurait fait pleurer par la suite. Peut-être que c'est quelqu'un qui aurait juste pris ce qu'il avait envie de prendre et qui se serait barré, que ça soit romantiquement parlant ou autre, hein, bien évidemment. Et du coup, là, les cartes, elles vous confirment bien que vous n'êtes pas difficile, groupe 3, si vous refusez des choses qui ne vous conviennent pas. Parce que derrière, vous avez un réel partenariat. Vous avez des personnes qui veulent vraiment s'engager avec vous. Et là, je peux pas m'empêcher de penser aux personnes qui veulent manifester l'amour, hein. Forcément, on a cette belle énergie de couple, on a cette belle énergie de mariage, là, on a l'amour véritable, donc le bon karma, c'est clair que le message principal pour vous, c'est que vous allez sortir de la solitude et que vous allez vivre une magnifique relation d'amour où vous rigolez, où vous êtes en sécurité l'un avec l'autre, où vous êtes libre ensemble, où il n'y a pas de codépendance, où vous êtes heureux d'être ensemble, mais vous êtes aussi heureux d'être chacun de votre côté. Il y a vraiment cette belle énergie et... le message il est clair, c'est ok de refuser certaines personnes si ça vous convient pas, vous n'êtes pas difficile, vous passez pas à côté de quelque chose. Quand vous êtes avec la bonne personne, vous le sentez dans tout votre corps, ça vibre, vous le sentez dans votre esprit, dans votre âme. Donc si vous sentez pas ça, c'est que c'est pas la bonne personne, n'en doutez pas. Et on vous dit que vous allez finir par trouver ce grand amour, vous inquiétez pas, hein, groupe 3, si c'est quelque chose que vous voulez vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a, waouh, le jugement avec le renouveau, l'annonce, la bonne nouvelle, c'est exactement ça. Et ça vous fait vraiment, ça me fait vraiment penser à peut-être cet amour qui s'est un petit peu éteint dans votre cœur. Là, il y a une personne qui va vraiment le raviver, ça va être magnifique. Ça nous parle d'un nouveau départ dans votre vie, d'une nouvelle étape cruciale et importante, j'adore. C'est vraiment super. Et je viens de voir 12 minutes 12. Allez, on termine avec un dernier petit message de la part des étoiles. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là-haut par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ce bon karma? Oups! Alors, il y en a 28 000. On va prendre celle qui est au-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais ranger les autres. Fais preuve... Alors, 38, fais preuve d'ingéniosité. Pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle complètement différent. Sors du cadre, prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions bien plus grand et efficace. Waouh! C'est ça, un champ de solutions, un champ de possibilités, d'options aussi. Vous n'êtes pas restreint ou restreinte à une seule option, à juste ce qui se présente devant vous. Vous avez le droit d'imaginer plus vaste pour vous, ok ? Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour votre karma positif groupe 3. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir. Bonjour groupe 4. Alors, voyons voir quel bon karma arrive pour vous suite à toutes les bonnes actions que vous avez faites pour vous-même et pour les autres. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ce bon karma? Alors, on va la prendre en bonus parce qu'elle est tombée comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a comme bon karma pour mon groupe 4? C'est intéressant parce que ça faisait un moment que j'avais pas eu de mois de l'année et dans ce tirage, j'en ai eu plusieurs fois. Donc, le bonus, on a... la griffe, faites attention, ne prenez pas de risques. Je pense que vous allez être libéré de quelque chose, vous allez pouvoir prendre de nouveaux risques. On a le dauphin, gains financiers qui viennent souvent de quelque chose que vous avez fait dans le passé. Ouais, j'ai vraiment cette idée de plus serrer la ceinture. C'est ça votre bon karma, c'est que vous allez à un certain point ne plus regarder le prix quand vous faites les courses. Ne plus vous soucier de regarder votre compte en banque tous les jours. Il y a vraiment cette idée d'avoir plus de... En plus, vous avez choisi le pot d'or. D'avoir plus de flexibilité au niveau des finances. De plus être sans cesse... parce que là, j'ai vraiment cette idée de griffe. Vous savez, on dit que... c'était quoi déjà ? Ah, je sais plus, mais qu'on a... On traite les personnes radines de pinces. Donc, je dis pas que vous êtes radin, hein, juste que j'ai cette idée de pince, de faire attention à nos sous. Grippe-sous, c'est ça. Hein. Je pense vraiment que là, le bon karma, c'est que vous allez pouvoir lâcher prise un petit peu au niveau des finances. Vous allez pouvoir beaucoup plus vous détendre et faire moins attention tout le temps. Ça veut pas dire que vous allez être complètement irresponsable, hein, bien sûr, mais vous allez plus être tout le temps en train de vérifier ce que vous dépensez. Ça va vraiment vous faire du bien. Et on a le mois de février. Donc, février, ça peut représenter le mois de février qui arrive. Ou alors, ça peut être dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, voire dans 2 ans pour certains, pour qui ça prendrait peut-être plus de temps. Mais voilà, le bon karma, c'est qu'on vous dit que peut-être qu'en ce moment, vous faites des investissements. Ou alors, ça peut être un investissement d'argent, de temps, d'énergie, de travail... d'amour peut-être aussi, vous investissez quelque chose en ce moment, vous avez investi et ça va vous être retourné en gain financier, ça va vous permettre de vraiment être plus tranquille. Waouh, et regardez ça, on a l'arc-en-ciel, il y en a un dans votre choix, au pied de l'arc-en-ciel, c'est ça en plus, vous avez choisi le pot d'or au pied de l'arc-en-ciel, j'adore. Et il est écrit, la partie la plus difficile de cette situation est terminée. Ok, donc vraiment, je veux que vous sachiez, groupe 4, que vous sortez d'un karma de pauvreté, ok. Et on a le gong, un événement excitant. Et... en plus, on vous dit que vous allez pouvoir vous payer quelque chose avec cet argent que vous voulez vous payer depuis très très longtemps. Ça peut être un voyage, ça peut être un véhicule, ça peut être un logement ou une expérience inédite en particulier, une retraite, la rencontre de quelqu'un qui vous est cher, que vous suivez depuis un moment peut-être, enfin quelque chose qui coûte un certain prix et que vous ne pouviez pas vous payer auparavant. Donc c'est magnifique, j'adore. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a d'autres. Alors, on a ces 2 cartes. Ah non, il y en a 3. J'en aimerais 2, s'il vous plaît. Alors, 1. Ah, bon. Ok, d'accord, j'en prends 3, j'ai compris le message. Alors, on a l'énergie fragmentée. Ouais, l'argent, c'est notre énergie en plus, donc quand on doit faire super attention, on le dépense, on peut être un petit peu accroché à toute cette énergie qu'on donne et on peut se sentir fragmenté, hein. On a la grande gratitude, j'adore, et là on a une personne qui est entière, qui a même plein de petits oiseaux autour d'elle, j'adore, plus fragmentée du tout, là, elle est hyper alignée cette personne. Donc moi je pense que pour accélérer un petit peu ce processus, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez faire preuve de gratitude chaque matin pendant votre méditation ou en vous réveillant, vous vous rappelez la veille et vous vous rappelez quels événements vous ont fait éprouver de la joie et vous essayez de ressentir cette joie. Ça peut prendre 1 à 5 minutes, ça coûte rien et ça change tout. Donc voilà, vous pouvez faire ça pour accélérer tout ça. Et on a famille, amis et guide. Waouh, j'adore. Donc non seulement ça va être plus smooth au niveau de l'argent, mais en plus vous allez avoir plus de joie, vous allez avoir plus de connexions appréciées et appréciables avec vos amis, votre famille, des nouveaux amis. Peut-être que vous allez même plus capter les messages de vos guides parce que vous allez être plus détendu par rapport à l'argent. Donc vous serez plus dans un mode de survie, un mode fragmenté qui fait tout pour survivre, qui fait tout pour arriver à joindre les deux bouts. Vous serez plus détendu, vous serez plus aligné, vous serez plus en communion avec la nature, en communion avec vos guides, avec les personnes qui vous entourent. Donc c'est vraiment super, j'adore. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Et l'investissement que vous avez fait dans le passé aussi, c'est pas forcément de l'argent, du temps, de l'énergie, etc. Ça peut être aussi vos efforts pour ressentir la gratitude. La pensée, c'est très bien, mais la ressentir, ça change absolument tout. Ça n'a rien à voir. Ça vous transforme de l'intérieur. Donc, moi, je pense sincèrement que pour beaucoup d'entre vous, ça va être aussi des efforts de gratitude que vous avez fait dans le passé qui vont commencer à payer, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on en a 3. Ok. Alors, on a la 7 de bâton. Ouais, donc on voit, hein, c'est pas facile, hein. Vraiment, il y a cette idée de partie difficile d'une vie, d'une situation. On voit que vous faites très attention, vous êtes minutieux, vous devez vous défendre aussi peut-être. Avec la 2DP en plus, vous avez l'impression que vous ne voyez pas plus loin que la journée d'après, vous n'arrivez peut-être pas à vous projeter à long terme, mais on vous dit que ça c'est terminé, hein. Et on a cette énergie du passé justement qui termine le tirage. Donc clairement, on vous dit que là, il y a quelque chose qui va sortir de votre vie. Et moi, je pense vraiment que c'est le manque d'argent. Et regardez ça, bim, impératrice, abondance, prospérité et bien évidemment richesse financière. Hein, avec l'impératrice, c'est ça. Hein. Ça me fait penser à cette personne avec la couronne de fleurs et tous les petits oiseaux. C'est possible que pour certains, là, on vous dit que le bon karma, c'est que vous allez enfin pouvoir déménager dans la nature. Loin du bruit de la ville où vous vous sentez fragmenté peut-être aussi, hein. Allez, on termine avec un dernier petit message de la part des étoiles. Qu'est-ce que les étoiles aimeraient vous dire? Groupe 4. Ouh, ouh là là! Vous avez la possibilité, grâce à ce nouveau, ce bon karma là, de réécrire totalement votre histoire en plus. Hein. Réécris ton destin. Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Et ça, je suis à 100% d'accord avec. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous, les astres, adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux à tout instant réécrire ton destin puisque toi seul en es le maître. J'adore! Waouh, c'est magnifique! Et là, ce que ça me dit aussi, ce bon karma, c'est que vous avez fait assez de choses bénéfiques pour vous-même et pour les autres, pour pouvoir rediriger le cours de votre destinée. Parce qu'à mon sens, on en a plein. Et ce sont nos choix et nos actions qui font qu'on rejoint certaines destinées, des plus ou moins élevées. Et là, vous vous dirigez vers une destinée qui est beaucoup plus élevée. Avec l'arc-en-ciel, j'ai vraiment cette idée de pont entre même des dimensions, des réalités, hein. Peut-être que vous étiez beaucoup dans la 3D, dans le mental, dans la compétition, la survie justement, et que maintenant vous glissez petit à petit aux dimensions supérieures. C'est génial, j'adore. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 4. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour, groupe 5. Alors, c'est parti pour voir ensemble quel bon karma vous allez bientôt pouvoir voir se dérouler dans votre vie. Donc, le bon karma, il arrive parce que vous avez fait des choses qui étaient faites pour le plus grand bien de tous et pour votre plus grand bien. Donc, c'est un juste retour des choses qui arrivent pour vous. Donc, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails, s'il vous plaît, sur ce bon karma qui arrive pour le groupe 5 qui a choisi le fer à cheval? Ouh, on a une maison verte, j'adore. Et on en a une autre là, et j'ai vraiment résisté pour pas la regarder, parce que j'ai des cartes à mélanger, mais j'adore les regarder quand elles sont sur le paquet, et souvent je le fais. Alors, j'ai trop hâte, qu'est-ce que c'est? Oh, on a la joie, j'adore! Oula, mais attendez, ces deux cartes, elles sont sorties dans la guidance, du début de semaine là. On a la poignée de main à une rencontre avec un étranger pourrait être importante. Ouh, c'est intéressant qu'elles sortent ensemble. Donc si vous avez fait le choix où il y avait la carte verte de la joie dans le tirage précédent, c'est peut-être un message complémentaire avec ce choix-là que vous aviez fait. Sinon, ne prenez pas ce message en compte. Alors nous avons ouh, l'alliance. Un mariage va prendre place, que ça soit romantique ou professionnel. J'adore, c'est trop bien. Et là, du coup, il y en a pour tout le monde. Si vous êtes déjà en couple mais que vous voulez un travail, on vous dit que c'est un travail que vous allez obtenir et qui va vous procurer une énorme joie. Et si vous êtes déjà dans un travail qui vous procure de la joie mais que vous n'avez pas encore de relation, on vous dit que c'est ça qui arrive, une magnifique relation d'amour qui va vous mettre en grande joie. Et en dessous du paquet, on a l'encrier, des problèmes à résoudre. J'adore. Oh, j'adore. Donc, voilà, tout simplement, le bon karma, déjà, groupe 5, avec ce beau fer à cheval que vous avez choisi, c'est que vous allez pouvoir vous associer à une personne, que ça soit par un mariage ou tout simplement parce que vous vous aimez très fort, vous n'êtes pas obligé de vous marier, mais ça sera une relation aussi forte que les liens du mariage, et vous serez vraiment, vous nagerez dans le bonheur. Même s'il y a des difficultés ou parfois des malentendus ou des disputes, ça sera jamais virulent, ça sera jamais dans l'irrespect, ça sera toujours dans la bienveillance, ça sera toujours dans le respect de l'espace de l'un et de l'autre. Et ça sera vraiment toujours entouré de belles énergies, d'amour, d'humour. Ça sera rare en fait ces moments-là. On a tous besoin des fois de se confronter hein, et de se disputer un petit peu pour accorder nos violons. Hein, mais on n'est pas obligé de le faire tout le temps, on n'est pas obligé de se faire du mal. Ça, ce sont souvent des relations karmiques. Donc ce qui vous arrive justement, c'est une bonne relation grâce à ce bon karma qui arrive pour vous. Ok, et la rencontre avec un étranger pourrait être importante. Je pense que c'est justement cet étranger ou cette étrangère avec laquelle vous allez pouvoir développer une belle relation, que ça soit professionnelle ou romantique. C'est magnifique, j'adore. Donc tout simplement le bon karma, c'est l'amour de votre vie ou le job de votre vie qui va vous rendre vraiment heureux. Bon, je pense pas qu'on ait juste un job. Hein, qu'on a un travail pour toute notre vie, je pense qu'on est fait pour évoluer, pour changer, pour s'améliorer et s'alchimiser, mais on vous dit que là c'est un job de votre vie pour l'espace où ça vous fera de la temporalité on va dire, où ça vous procurera de la joie. Après voilà, vous verrez si vous passez à autre chose, mais ça sera quelque chose, une expérience très très positive, très très enrichissante pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, groupe 5? Alors j'en veux 2 s'il vous plaît. J'en aimerais 2, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons donc... Ouh, l'univers vaste, le vaste univers. J'adore. C'est magnifique. Je pense qu'on veut vous rappeler que vous n'avez pas rencontré toutes les personnes que vous êtes censés rencontrer, groupe 5. Ça m'a beaucoup aidé au moment où je cherchais à manifester ma belle relation actuelle. Je me disais, bon, la personne que je cherche, elle me cherche aussi. je suis forcément idéal pour quelqu'un et il y a forcément mon idéal quelque part. L'univers il est grand, on est 8 milliards et moi je pense pas que votre âme sœur elle soit à l'autre bout de la Chine dans le fin fond d'un vieux village. Je pense que notre âme sœur, on a prévu de la rencontrer, qu'elle est pas à Tombouctou, mais comment dire, que la seule chose qui nous sépare c'est pas la distance, c'est le temps. On a des temporalités, on a des rendez-vous, notre âme elle prévoit des rendez-vous et ça c'est difficile à intégrer tant qu'on n'a pas vraiment rencontré encore son âme sœur ou qu'on n'a pas encore trouvé sa mission de vie par exemple. Hein. On comprend pas pourquoi ça met autant de temps et on se dit que ça doit être forcément ailleurs, qu'on trouvera jamais, mais c'est pas le cas. C'est juste une question de temps. L'univers est vaste, on vous dit de garder les yeux ouverts, les yeux grands ouverts parce que y a une rencontre qui arrivera bientôt pour vous. Ok, donc bientôt. Voilà, ça arrivera pour vous. Après, vous êtes différents, vous êtes nombreux plutôt, vous êtes tous très nombreux et ça sera différent pour chacun d'entre vous. Donc, ça arrivera quand ça arrivera, mais on vous dit que le bon karma il vous amène cette belle relation, que ça soit romantique ou au travail. Et on a les allers-retours. Qu'est-ce qu'on a en dessous du paquet? On a le grand accomplissement. J'adore. Ok, donc avec toutes ces cartes-là, je pense que groupe 5, pour certains, vous êtes partagés, vous vous dites, mais est-ce que, en fait, vous faites, c'est comme si vous faisiez des allers-retours entre ce que vous avez connu et ce dont vous rêvez. Et vous dites, non, c'est pas possible, c'est qu'un rêve. Je vais retourner vers ce que je connaissais, peut-être que c'était ça qui était fait pour moi, que ça soit au niveau du travail ou de la romance. Et après, vous dites, non. Si je l'ai dans mon cœur, c'est que je peux le manifester. Oui, mais bon, si ça devait se manifester, ça se serait déjà manifesté. Peut-être que j'aurais dû continuer, peut-être que j'aurais dû rester avec cette personne, ou peut-être que j'aurais dû rester dans cet emploi, peut-être que j'aurais pas dû poursuivre mes rêves, peut-être que c'était une connerie. Et là, on vous dit, arrêtez tout de suite, groupe 5. Arrêtez tout de suite ces allers-retours parce que là, vos guides vous assurent que vous allez rencontrer une magnifique personne pour vous. Ils vous assurent que vous allez trouver un travail qui vous procure réellement de la joie. Vous allez arriver à manifester ce rêve ou ces rêves. Peut-être que vous voulez les deux. Hein. Peut-être que vous voulez un job qui vous plaît et une personne avec qui vous allez pouvoir être heureux enfin. Mais voilà, on vous dit que là, peut-être que le problème à résoudre, c'est peut-être d'avoir confiance en le potentiel infini dont peut faire preuve l'univers. Il peut vous apporter tellement de choses, il peut vous amener tellement loin, mais ça va vous demander de vous engager vraiment avec vos rêves, avec ce que vous voulez. Votre bon karma, vous l'accélérerez comme ça, parce que de toute façon, ça arrive pour vous, ça arrive à un moment donné, mais vous pourrez gagner du temps et gagner en sagesse, en maturité, en arrêtant de faire des allers-retours et en arrêtant d'idéaliser le passé, ok, et de vous tourner vraiment vers l'avenir. Parce que vos rêves sont réalisables, vos rêves sont possibles. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot maintenant? Alors on a, regardez ça, l'as de coupe, j'adore. Donc nouvelle rencontre romantique, nouvelle rencontre dans le cœur, j'adore. Bon, pour ceux qui sont déjà en couple et qui sont très heureux comme ça, on vous dit que vous allez peut-être avoir une proposition au travail qui va vraiment vous remplir de joie, qui va être au-delà de la satisfaction au niveau financier, ça va être une satisfaction de l'âme, vraiment profonde, ok? Peut-être une proposition que vous n'allez pas pouvoir refuser, tellement c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez ça! On a la 4 de coupe et clairement, c'est l'as de coupe qui arrive pour vous. Et c'est comme si... ouais, c'est ça. Donc, c'est bien ça à résoudre. C'est que la 4 de coupe, elle est trop fixée sur ce qui lui a un jour procuré de la joie. Elle est trop distraite par le passé aussi, par moments. Et elle voit pas tout ce qui peut arriver de bon pour elle parce qu'elle est trop focalisée, elle fait trop des allers-retours, justement, c'est exactement ça. Donc vraiment, groupe 5, pour aller dans le sens de ce bon karma, ça va être très important de vous engager, de faire un pacte entre vos rêves et vous, de vous dire « je vais y arriver, je garde espoir, je garde cette belle vision dans mon cœur parce que je sais au fond de moi, de toute façon, vous savez, au fond de vous, votre âme, elle sait, je sais au fond de moi, que je peux arriver à vivre ça, ou arriver à rencontrer telle ou telle personne, etc., etc. Ouais, gardez vos yeux sur votre but, sur ce qui vous fait rêver plutôt que ce que vous avez l'impression d'avoir perdu. Parce que si vous êtes parti de quelque chose ou si quelque chose est sorti de votre vie, c'est que ça n'avait plus sa place. C'est qu'à ce moment-là, vous saviez que c'était juste pour vous de partir. N'hésitez pas à faire la liste des raisons pour lesquelles vous avez quitté tel endroit ou telle personne. Moi, ça m'a beaucoup aidé par le passé. Parce que j'étais du genre à faire des allers-retours sans arrêt aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot ? Et on a la 10 de bâton. Ouais, voilà, donc c'est ça, hein, clairement. Là, votre bon karma, il va vous permettre de poser un fardeau. Ça peut être le fardeau, justement, de tout le temps faire ces allers-retours. Donc, non seulement vous allez faire de votre mieux pour vous focaliser sur l'objet de vos désirs et de vos rêves, mais non seulement, quand ce bon karma va arriver, vous allez pouvoir enfin lâcher cette partie de vous qui regarde toujours dans le rétroviseur. Parce que vous serez dans le présent avec cette belle personne ou cette belle opportunité. Vous voyez, vous allez pouvoir lâcher ça. J'adore. Et maintenant, on va terminer avec un dernier message de la part des étoiles. Qu'est-ce que les étoiles veulent vous dire pour terminer ? Alors, que ta faiblesse devienne ta force. Tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille, mais qui sur Terre n'en a pas ? Ces soi-disant faiblesses, apprends à les regarder autrement. Fais de ta différence une force. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut, convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste de ta propre vie, de ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marchepied et ce qui te complexait jusqu'ici, change-le en une marque de fabrique assumée, revendiquée. J'adore. Voilà, donc c'était le dernier message par rapport à ce bon karma. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière, groupe 5, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.